Bonjour, je suis Ina Maja. Salut à tous, c'est Youssoufa, Prims Parolé, le lyriciste bantou, rappeur du Congo, de France et d'ailleurs. Mais je trouve ça génial parce que du coup, ça leur donne aussi le sens de l'engagement pour des causes bénévolement. Et je trouve ça génial que nous aussi, on donne de notre temps. C'est un vrai partage. Je pense que du coup, à la fin de la journée, pour la soirée, on est tous contents d'être là. On sait qu'on est là pour la bonne cause et qu'on a fait quelque chose de bien. Et ça se termine dans la bonne humeur. Alors Youssoufa, j'aimerais que tu m'expliques d'où vient l'expression « gester ». J'ai une petite idée quand même. Elle veut sortir les dossiers. Aïna, elle est maline. Non, l'expression « gester », pour le dire plus simplement, parce que c'est une longue histoire, c'est venu un peu en tournée avec mon équipe. Quand je leur disais, ouais, sur scène, même s'il faut faire bien, il faut faire comme on a dit, il y a un côté où il faut se laisser aller, il faut bouger, il faut se laisser un peu libre, faut faire des gestes, quoi, faut gester. Et je disais ça, et du coup, d'une manière générale, gester, c'est devenu agir, se comporter avec audace, avec excès, avec fantaisie, de manière un peu marginale, des fois originale, etc. Tous les excès. Et effectivement, c'est un mot un peu fourre-tout, mais ceux qui savent comprennent, et Ina me comprend bien. Orange Rock Corps, rendez-vous au Dôme de Marseille, tu donnes, tu reçois, 4 heures. Une place pour un concert mémorable, big up et des jolies, jolies surprises. Tu donnes et tu reçois, tu donnes et tu reçois, 4 heures, une place. Ok, c'est Youssoufa Prims, parolier le lyriciste bantou. Comme on te l'a dit, tu donnes, tu reçois. Tu travailles le jour, tu kiffes le soir. Alors, on te donne rendez-vous à Marseille. Ce concert va être véritablement une merveille.